Mardi 8 mai 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la carbone capable poter pour deuxième sortie téléjournal pour semaine si là. D'ores et déjà, on a souhaité tout le monde passer une excellente journée de mardi en compagnie de la télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes principales points capables, pour faire essentiel journal là pour aujourd'hui, sous initiative Fédération nationale femmes magistrats haïtiens, un forum deux jours l'ouvrir lundi 7 mai dans Pétionville pour femmes élu. Dans l'occasion journée communale patrimoine dans la commune Carrefour, plusieurs élèves et directeurs de l'école commune Silla participaient à hier lundi 7 mai dans une journée débat qui était organisée dans la commune. Ministre touriste la Colombe Émilie Jessiménos pote précision sous affaires touristes, ses affaires tout le monde pendant le temps participé à hier lundi à la 41e conférence lundi de la presse qui déroulait dans le ministère communication. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine accompagné avec le ministre touriste la Colombe Émilie Jessiménos avec plusieurs élus dans le département de la Tibonite visité pendant le week-end qui s'est passé là par les 365 portes dans la commune Petite Rivière de la Tibonite avec la commune Marchand des Salines. Ensemble pour ça avec divers clôtures pour faire essentiel le journal pour jeudi 18 mai, on a invité à rester branché, on a pas donné un petit moment, t'en prie pas déplacer. Merci parce que toujours été bien chez Télévision Nationale d'Haïti. On offre encore un peu souhaiter tout le monde bienvenue dans le journal là. Jacques a annoncé les différents titres pour nous faire connaître sous initiative Fédération Nationale Femmes Magistrats ici au FENAFEM. Un forum deux jours l'ouvre lundi 7 mai dans Pétionville pour femmes élues. Le lancement forum ça a déroulé en présence président de la République, la Jovenel Moïse, ministre intérieur et collectivité territoriale, là, ministre conditions femmes et droits femmes, l'ambassadeur pays la France avec diverses autres autorités qui étaient présentes. Nous avons vite suivi un compte rendu avec collaborateur Esaïe Aurélie Sac, Henri Forum ça visé faire promotion droit femmes et puis créer moyens pour permettre mesdames yo joindre plus place dans espace décision yo. Yo environ 2000 femmes élues qui sorti dans 10 départements pays ya qui viennent participer dans activité ça. Pendant des journées, mesdames ça yo doit réfléchir sur ensemble points qui représentent barrière avancement femmes dans société ya et spécialement dans espace politique yo. Président Fédération Nationale Femmes Magistrats Haïtiens yo Rosemila Petit Frère Saint-Ville dans l'occasion, fait diagnostic situation familiale et puis souhaiter une solution à certains points après forum. Faut service public yo décentralisé pour besoin population capable satisfaire parce que yo paye taxes. C'est toute qualité service yo qui concerné centre santé, état civil, l'hôpital, l'école fondamentale, l'école professionnelle, globe potable, aménagement territoire, construction espace public, abattoir, marché public qui respecte intégrité, dignité corps femme yo, électricité, route agricole à communale et latrier. Ministre yo ki la, parlementaire yo. Nan virerons nous faire dans 10 départements pays ya pour nous planifier forum ça. Mesdames, yo mande pour Zafè Baptiste tout si moun lan tourner yon réalité. C'est pas vrai mesdames? Et nous-mêmes dans collectivité territoriale yo, nous paré pour jouer rôle pa nous là-dedans. C'était première action nous té engagé dans création FENAFEM. Président Sénat République là, Joseph Lambert Soubopal souligne importance lit mesdames yo dans démocratie ak pour tablier une société diam. Sénateur Lambert promet pour porter support parlement by family yo pour aider yo atteindre objectif yo. Débat doit fait couillon parce que nan fin année législative année prochaine proposition amendement à constitution a fait et par conséquent ou a joindre moi encore bon côté sénateur Roya. Bon côté tout élu dans collectivité pour nous conduire bataille ça. Président République là, Jovenel Moïse dit conscient quand il te revendication familiale. Chef l'État croit famille doué commencer jouer rôle yo depuis jodi a pendant le fait qu'on est li engagé bon côté yo dans toute démarche. Réussite en foyer licita sous yo potomitan. Potomitan c'est femme.
Moi, quoi que pays ça, si nous besoin Haïti meilleur dans 25 ans, c'est jodi a pour mesdames qui commencent à jouer rôle. C'est pas demain. Pas de génération spontanée. Ça veut dire, bataille ça, c'est pour une bataille qui est petite. Bataille pour mesdames qui ont joué rôle. Mais quand jodi a, nous avons des gens qui sont dans notre pays, qui paraît pour faire gourmet ça, ensemble avec nous. Mais pour le fait, il m'a donné pile compréhension, il m'a donné pile sans foi tout. En pile sans foi pour qui ça, c'est parce que quand pile moun parfois qui utilisait revendication nous pour régler affaire par eux. Jean et décentralisation, c'est thème qui choisit pour déroulement premier forum international Femme Elio. Une activité qui joint si pour l'État haïtien, ambassade Canada avec la France et puis IDEA international. Merci à les collaborateurs de Esaïe Aurélie Sac, Henri Robert Chéri qui t'a présenté nos comptes rendus. L'autre information dans le journal, le Premier ministre Jacques Lafontaine qui t'a gagné avec les ministres touristes, Colombe Émilie, Jessie Minos, avec plusieurs élus dans le département de la Tibonite, visité pendant un week-end qui se passait là par les 365 portes dans la commune Petite Rivière de la Tibonite avec la commune Marchand des Salines. Dans l'occasion, le Premier ministre Jean-Guy Lafontaine ramassait doléances aux autorités dans la zone sous divers problèmes, situations, la population s'habitue à confronter à des problèmes de l'eau, courant et infrastructure. On a pas vite suivi un reportage à Falan Delphin. Visite ça a fait dans l'objectif pour le Premier ministre haïtien constater niveau avancement travail rénovation ISPA à réaliser dans le site touristique Sayo. C'était occasion pour responsable dans zone nan présenter gros problèmes qui gagne dans commune touristique sa yo tant kou infrastructure routière problème de l'eau ak électricité. Problème électricité depuis tantôt 7 ans qui pa jam gagne dans ville là. Bon c'est tout récemment moi même vice délégué sénateur Gassa Delva qui dédoué là qui pa là noté mon tête à tête avec le président, elle était venue visiter base CNEA, nous avons essayé de poser problème et puis nous avons dit que nous avons un mondial qui peut arriver devant nous. Mondial là arrivé devant nous parce que nous pas qu'à prendre mondial là sans courant parce que population lui-même il pas accepter le comme ça pour ces génératrices pour y balancer ou bien encore devant porte l'autre caille monde pour y regarder coupe du monde. Bon il te promet non il te dit l'a fait ingénieur Jacques Thomas vini dans mairie pour essayer ensemble venir poser problème nous font diagnostic de commune là et puis pour nous dans peu de temps pour nous problème qui plus urgent pour nous capable résoudre si ça a 5 ans depuis pan prend responsabilité pour le restaurer. Il était campé, c'est en bataille moi-même député commune. T'es fait au niveau ministère de la culture avec directeur Ispan pour travailler de recommencer. Et dans même quatre batailles ça que pouvoir en place là pour responsabilité pour continuer dans jour qu'a venir là pour y mettre les bouchées doubles pour assurer nous que yo fin restaurer par les 35 portes. Ministre touriste là, Émilie Jessie Colombe Menos, annoncé ministère touriste à partenaire pour le travail pour évaluer possibilité qui gagne pour exploiter ce site touristique ça yo pour rendre plus rentable pour l'État. 214 ans après, nous sommes qui état que yo et bien sûr au niveau du ministère de la culture, gagne institut de sauvegarde du patrimoine national, mais en réalité toute force ça et tout monument ça ont un seul objectif final, c'est en exploitation touristique. Parce que vous regardez tout ça qui était construit dans l'autre pays, ça gagne 200 ans, ça gagne 300 ans. Vous regardez, c'est toujours pour touristes vinouet, touristes visiter, touristes faire photo, ou montrer la caillou pour montrer l'autre famille qui est allé visiter ce site. Donc, pour nous-mêmes, au niveau du ministère du tourisme, nous avons réfléchi à ça. Et d'ailleurs, c'est pour premier partenaire, nous, c'est le ministère de culture tout. Parce que nous regardons ce site, nous avons exactement qui travaille qui mérite fait. Bien sûr, nous avons un inventaire de tout site ça qui était fait à peu près de 200 monuments et sites historiques qui était fait déjà, mais cependant faut que nous connaissions aujourd'hui qui est-ce qui va l'exploiter, comment que le ministère touriste capable d'exploiter au mieux pour capable venir rentable pour la population d'abord, pour l'État avant, population ensuite. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui t'a montré l'importance site touristique ça pour l'histoire. Promet gouvernement pral travail pour répondre à revendication population dans zone sa yo. Chef gouvernement rappelé si touristique sa yo doit servir comme exemple pour reconstruction pays a. Nous même haïtiens nous fait pour un peuple fier. Nous fait pour un peuple qui remet pays nous. Nous fait pour un peuple qui gain vision pour pays nous parce que avenir nous li pas dur. Avenir nous c'est en Haïti que dire. Combien pour nous ka rénover ça?
pour estimation qui t'est faite, parce que le premier travail qui t'est fait sous président Martelly, mais depuis lors, toute bagaille est suspendue, nous connaissons une transition. Comme il nous faut seulement, à l'époque, il était évalué à 12 millions de gouttes, qui ça ne va pas faire là? Nous n'avons pas besoin de tant pour venir. Est-ce que l'étranger est venu aider nous pour nous décabattre ça? Donc, ça, immédiatement que nous sommes ici, hein, nous allons chita pour nous faire. D'abord, qui j'en nous restaurer? Deuxièmement, qui j'en tout que nous allons mettre sous pied un plan de gestion pour nous gérer? Gérer pour nous qui j'en que là a fonctionné, mais tout faut nous suivre tout aux alentours de nous. Palais 365 portes dans Tirivière la Tibonite avec Forjac et Alexandre dans Kenskoff, c'est deux parmi divers forts qui sous contrôle Institut Sauvegarde Patrimoine National pour rénover et réhabiliter. Projet ça yo qui était commencé depuis son administration passée doit finir dans un petit temps qui pas trop loin d'après propos chef gouvernement. Merci à Falande Delphine. L'autre information dans le journal là, dans l'occasion 41e conférence de lundi de la presse, ministère de communication recevoir. Là, il y a lundi 7 mai, ministre Touriste La Colombe, Émilie Jessiminos. Dans l'occasion, ministre Jessiminos a annoncé ensemble un travail ministère a réalisé dans le secteur touristique là pour permettre plus visiteurs rentrer dans le pays. Non, yon l'autre côté, ministre touriste la fait connaître tout, une augmentation qui fait dans la quantité de touristes qui rentrent dans le pays. Ça fait touriste, c'est ça fait tout le monde. C'est non, yon campagne qui visait impliquer tout citoyen dans affaires touristes dans le pays pour un plus bon résultat d'après précision ministre touriste. Qui est le micro Rachel Saint-Fort avec Lourdes Ali Jacques. Pour la formation, et nous avons parlé de réalisation nous, au niveau de l'école hôtelière surtout. Côté que nous mettons en place un comité de gestion depuis l'année dernière et qui lui-même répond à toutes normes et à critères et de toute Caraïbe blanc. Et ça, c'est en partenariat avec CTO, Caribbean Tourism Organization. Côté que nous mettons en place un curriculum pour tout élève, pour tout le monde qui est dans l'école hôtelière. Nous n'avons pas laissé qu'on y a pour nous travailler avec toute l'école cap enseigner hôtellerie avec touristes de façon que tout capable gagner un plan en formation standard. Après ça, et bien sûr, nous travaillons aussi pour l'aménagement de l'école Infot, qui est dans le sud, qui était très affecté après cyclone, après passage cyclone Mathieu. Donc, les travaux d'aménagement ont déjà fait, ont déjà commencé, et nous voyons tout que l'école a déjà recommencé à travailler. Quant au niveau de la promotion, qui c'est un travail que le ministère a toujours fait, et nous toujours continuer à être présents sur la carte touristique et nous participer à plusieurs fois et événements pour améliorer l'image pays, hein, pour qu'on y a que tout le monde capable de connaître que Haïti là, Haïti paraît et Haïti a prétendu pour tout le monde venir visiter. Donc, de ce fait, depuis l'année dernière, nous connaissons que nous participons à beaucoup à Rabaco en République Dominicaine, à Honduras, Mexique, à Paris, et ITB Berlin récemment que nous fait Anissa, et Uruguay, et bien sûr, Haïti lui-même t'est quimbé positionné côté que lui passé de présidence à vice-présidence Commission des Amériques au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme. Et semaine prochaine, nous allons aller dans un foire qui est assez et super important, qui est le CRIS, qui est le Caribbean Hotel Resort and Investment Summit. Et sommet ça allait réunir tout investisseur, tout le monde qui a l'idée d'investir dans le secteur touristique là, à travers le monde. Donc de ce fait, le ministère touriste non seulement pour aller avec des hôteliers qui ont même quitté sous place, hein, qui est en Haïti, et qu'on y a pour dans quelle mesure que même tout est capable soit agrandir l'hôtel, soit yo même tout joindre d'autres partenaires, soit pour la gestion et des hôtels et tout ça. Nous avons annoncé dans différents titres, dans l'occasion de journée communale patrimoine, commune Carrefour, plusieurs élèves avec le directeur de l'école commune Silla participaient lundi 7 mai dans un journée débat. Exposition richesse culturelle commune Carrefour, qui marqué journée ça, qui te permet de participer à apprendre un pile de bagages sur la commune. Reportage Richardson Jourdain avec Hervé Pierre. C'est dans l'idée pour mettre en valeur richesse culturelle commune. Journée communale patrimoine ça organisé d'après magistrat Kafoua Jude-Edouard Pierre. Dans sens ça, plusieurs élèves qui sorti dans 50 l'école dans commune là, te joint une explication sur importance richesse culturelle ça yo gagné pour Kafou. Il y a un ensemble de réalisations qui marquent l'histoire de Kafou et qui passe sous silence et que la mairie comme institution de régulation a une obligation pour les ressusciter et faire en sorte que l'appropriation par la communauté
d'événements, de hauts faits, de réalisations ça et mettre justement dans une dynamique pour aider jeunesse là, élèves l'école, construire des connaissances qui approprient justement à l'environnement. Il y a plus passé 18 l'année, depuis le collège Côte-Plage a fait activité ça dans Kafou pour permettre qu'il y ait plus éclat, direction collège là, mettez tête ensemble avec Mairie Kafou pour organiser l'année ça. Nous fait 18 ans de bataille pour contre nous. Mais là, nous, pour qui ça? Parce que nous tenons phase de sensibilisation. Mais nous pensons qu'après 18 ans, nous faisons activité avec des jeunes qui ont l'école, bon moment, il faut éclater, il faut faire aller plus loin. Et c'est ainsi que nous allons rencontrer maire là, l'année dernière, nous dit que ce n'est pas possible. Mon activité n'a fait, il faut les entrer comme partenaire direct dans l'activité. C'est notre date 26 avril 2017 là. Dans un arrêté communal, autorité a été déclaré date 7 mai chaque année, journée communale patrimoine dans Kafou. Président République la Jovenel Moïse avec le ministre des Travaux publics, l'ingénieur Fritz Kayo, visité travail cap réalisé dans le cadre de caravane dans la ville Akaye dimanche 6 mai passé. Dans l'occasion, chef l'État remet plusieurs matériels par responsable commune Akaye. On a pu vite suivre un reportage avec Daline Dorival et puis Michel Joseph qui était sous place. Excavatrice, camion à Claudet, c'est quelques matériels président République là, Jovenel Moïse, remettre par responsable TPTCO dans la ville Akaye. Chef l'État, t'es profité lancer dans la zone coloniale, travail qui rage rivière Coujol. Des Massayo, rentrer dans quatre caravanes changement qui visait renforcer travail qui rage rivière à construction route dans la zone ça. Plusieurs citoyens exprimaient contentement pour travail sa yo qui déjà commencé dans la rivière Coujol. Pendant y a expliqué difficulté yo souvent rencontré dans zone là pendant période la pluie. Moi même ça me d'avlé et c'est libre du population d'après moi. Tout côté de faire coupe yo par exemple qui pas aller droite yo pour nous ta gain grabion pour nous mettre dans coupe yo et puis pour yo fouiller rivière prendre depuis en bas sous lance en puis rivière en bas pour en monter en haut. Et bien parfois rivière prend bête nous, bien parfois rivière crase en pis jardin nous. Pour ça moi dans rivière, c'est première fois dans histoire que moi ouais une autorité pays a qui pensait avec nous même jeune Coujol, avec grande Coujol, parce que ça va être que j'aime faire même dans histoire. Président doit prendre l'ordre encore pour être capable satisfaire, pour nous satisfaire président de salver pour nous. L'aide doit descendre, pas un passage. Même à pied, même sous moto, même sous bicyclette, on ne peut pas passer parce que l'eau a couvert pour en aide. Pendant ce temps, si ça a été fait, il n'y a pas fallu l'eau descendre, on ne peut pas passer sous bicyclette, à pied, même sous machine. Ouais, ça nous. Et me féliciter le président parce que la débit à Iné, il faut qu'il soit pour en déboucher des ventes pour le cas où ça a fait là. Je me félicite pour patience et pour compréhension parce que et pas tout le monde qui a prêté depuis à Iné jusqu'à ce que l'eau débouche pour être là, jusqu'à ce que. Doit passer en bas pour un. Là où le président sous travail, ça l'a fait à l'remène livré pour le pays avancer. Moi, depuis un petit monde, m'a passé là, depuis la rivière à descendre. C'est maman qui pouvait traverser au sous-d'eau. Là, elle finit traverser, elle a tourné encore pour retirer les bagages pour traverser. Mais quand il y a six demi-messes de 20 mounes à l'école, il y a passé parce que l'eau passe en bas normalement. Ça porte un plus changement parce que l'eau à descendre, les crases déjà des mondes. Depuis temps paré, il faut veiller de l'eau pour l'eau à descendre. Mais quand il y a là, bon, pour ça commence aujourd'hui à même. On commence à satisfaire parce que si quelqu'un est concerné, bon, nous sommes heureux ici. N'a pas rappelé, pont qui sous rivière Coujol était fait depuis 1928 et c'était dans l'année 1978, dernière fois, tu as eu un travail qui rage qui était fait là-dedans. Et grâce à le leadership président Jovenel Moïse, travail ça a réalisé dans moins passé une journée. Première dame République la Martine Moïse accompagnée avec le ministre de la Santé publique la population Marie-Greta Roy Clément visité samedi 5 mai passé à l'hôpital sanatorium Port-au-Prince dans l'idée pour capable voir comment problème l'hôpital ça lui-même lié comme l'hôpital ça est spécialisé les citrouilles dans traitement maladie tuberculose. Première dame Martine Moïse a profité occasion pour capable expliquer gros efforts pays d'Haïti fait dans combattre maladie si là n'a pas vite suivre. Je dis à nous dans l'hôpital sanatorium, côté nous venons garder dans quel état l'hôpital là est, comment il y a des malades aux soins. Mais nous là, je dis à nous seulement, avec chapeau première dame, mais également avec chapeau président CCM,
qui est le comité de coordination multisectoriel qui est là pour coordonner fonds, subventions fonds mondiaux pour tuberculose, pour sida avec malaria. Dans le cas ça, gagné des chiffres l'année dernière, parce que le chiffre année ça est pour vraiment dehors, tu as 15 000 cas de tuberculose que tout mettait sous traitement. C'est ça que bon, parce que gagné des centres qui tout partout dans le pays. Dans chaque commune dans le pays, il y a au moins un centre de prise en charge. Sauf deux communes seulement qui n'ont pas gagné, parce que après des années, ils n'ont pas vraiment gagné cas dans la commune, donc ils ont été désaffectés, ils ont voyé de l'autre côté. Donc, si tout le travail ça a fait dans le cas de tuberculose, là, moi, ouais, avenir là, on tige en plus clair. Ça veut dire que dans l'horizon 2030, là, gagner une possibilité vraiment pour ne pas gagner aucun cas de tuberculose. Mais pour faire ça, il faut que la population aide nous. Si nous sommes voisins, voisines, on frère nous, on soeur nous, on tous qui étaient sous lit. Pendant un bon petit temps, pas j'en passé, encourager à faire test li, depuis les positifs, il y a tout mettre sous traitement. Gagner tout 129 cas que joignent jusqu'à présent des cas qui résistants, de monde qui t'ai commencé traitement yo, qui senti yo bien, qui pas fini traitement et qui vini rechuter. Donc ça c'est le plus grave, parce que là yo même y a transmettre maladie, ces gènes résistants que yo gagnent, c'est lui même qui transmettre, qui va kavin ben plus cas de résistance, parce que là cas pas résistant sous 6 mois mon n'a pas guéri, parce que il prend médicament, il prend traitement, mais yo dit que le cas résistant il prend beaucoup plus que 6 mois. Donc là ça et médicaments est beaucoup plus cher. Donc n'a pas encourager tout le monde qui connaît que bon monde bon la cali cap tout, c'est qui ouais comme monde n'a pas trop bon, fait là dans cette qui près là qui occupé de ça quand elle cas fait test li, et si jamais il est positif, il est capable mettre le sous traitement. N'a pas allé dans le Parlement ici, en sénateur département Nord-Est, Jacques Sauveur Jean, encourager l'initiative chef de l'État, Jovenel Moïse, prend pour mettre campé État généraux sectoriel. Le parlementaire a souhaité gagner plus de dialogue dans la vie nationale, là, une façon pour permettre à tout secteur représenté et créer moyen pour la société avancer. Il y a un extrême colo Eliezer avec Moïse Wilbridge. État généraux sectoriel de la nation, tu es capable d'avoir une bonne idée. Si nous avons l'autre forme de culture, côté que à travers le dialogue, nous avons, comme si nous avons initié des dialogues sincères, francs, qui nous permettent que nous sortions des solutions. Mais en général, et nous, on est des marrons, côté que nous réunissons pour parler d'un problème, c'est pour nous contre qui ça, pour nous faire l'autre qui est plus grave. Donc, je m'attends à ce que nous jouions nos résultats au bout, mais cependant, je ne suis pas trop optimiste en ce qui a trait à des massas. Parce que j'étais là le jour du lancement de ce mouvement. Je connais, je sais que le président Jovenel a de bonnes intentions, mais cependant, le problème n'est pas le problème d'un homme. Le problème sont sociétés qui ont maladie, que yo poko même découvrir. Tout le monde peut, quand on t'a dit qu'il maladie société a gagné. Or, pour résoudre un problème, pour traiter une maladie, il faut découvrir. C'est ça que fait vos analyses lorsqu'ils sont malades, car le docteur, pour que définir et déterminer qui sorte de maladie ou rien va ou prescrire aux médicaments. Société haïtienne est malade et tout le monde peut dire qu'il maladie le gain, j'ai l'impression que beaucoup même découvrir. Chambre commerce haïtienne de Georgia, en partenariat avec Georgia Institute of Technology et puis God Ministry, annoncé dimanche 6 mai un séminaire formation dans le domaine énergie solaire. Il a réalisé ce lundi 7 pour arriver mercredi 9 mai. Représentant Chambre commerce haïtienne Georgia, Joseph Max VV2, a apporté plus d'explications de micro. Lunel Jean-Louis Rémi Godji. Ce programme consiste en trois journées de formation comportant trois volets. Un volet théorique, un volet pratique et un volet technique. Et un volet entrepreneurial, je voulais dire. Il aura lieu du lundi 7 au mercredi 9 mai 2018. Les interventions seront faites par de jeunes experts du prestigieux et Georgia Tech Institute of Technology, classés parmi les meilleures universités américaines. Durant le premier jour, les étudiants auront une introduction générale à l'énergie solaire. Le deuxième jour sera consacré à la conception et l'opérationnalisation du système solaire. Le troisième jour, comment monter des plans d'affaires et des méthodes de gestion d'entreprise. Le partenaire privilégié de ce projet en Haïti est l'ESIH, École supérieure d'infotronique d'Haïti,
Par ailleurs, dans le souci de permettre à des jeunes étudiants d'autres régions du pays, en particulier de la région nord du pays, de bénéficier de ce programme, des étudiants de la filière sciences de l'éducation option physique au campus de l'Université d'État d'Haïti à Limonade et d'autres universités ont été également sélectionnés. Les participants ont été recrutés à l'issue d'un processus de sélection rigoureuse et transparente. Le programme leur est offert gratuitement. Ce programme qui voudrait s'aligner sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, particulièrement l'objectif numéro 13, concernant les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, et la philosophie de la Chambre de commerce haïtienne de Georgie aux USA, élaborée par son président M. Sorel Quétan, vise surtout l'autonomisation des jeunes par la promotion de l'entrepreneuriat. Nous prenons l'actualité internationale là pour Kounia, pour une fois qu'on a un président américain Donald Trump créé une grosse surprise sous affaire dossier nucléaire iranien. Dans un tweet li fait jeudi mardi à 20h dans le pays la France, n'a pas noté pour Donald Trump te bailler pays européen un délai jusqu'à 12 mai pour porter modification d'un texte sous nucléaire iranien. N'a pas invité à suivre un reportage à Euronews. Les États-Unis vont-ils se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien signé lors de la présidence Obama? Donald Trump avait donné jusqu'au 12 mai à ses partenaires européens pour modifier le texte. Il crée la surprise dans ce tweet en annonçant une décision sur l'accord iranien ce mardi à 20h, heure française. L'accord prévoit que l'Iran abandonne ses projets d'armes atomiques en échange de la levée des sanctions qui étranglent son économie. Les chancelleries européennes ont tout fait pour éviter une remise en question de l'accord. Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères britannique, était encore à Washington ce lundi. Et voilà, c'est avec dernière information ça que je n'ai pas pour jeudi. Mais juste avant nous aller, on peut rappeler un point qui était fait essentiel pour jeudi, mardi 8 mai. Sous initiative Fédération nationale Femmes magistrats ici au FENAFEM, un forum de jour l'ouvrit à elle lundi 7 mai dans Pétionville pour femmes élues. Dans l'occasion de journée communale patrimoine commune Carrefour, plusieurs élèves avec directeur de l'école commune Silla participé à elle lundi 7 mai dans une journée débat qui était organisée dans la commune. Ministre touriste la Colombe Émilie Jessiménos pour tes précisions sous affaires campagne, affaires touristes, ses affaires tout le monde. Pendant le TAP participé à lundi à la 41e conférence de lundi de la presse qui déroulait dans le ministère communication. Premier ministre Jacques Guilla-Fontan, accompagné avec le ministre touriste la Colombe Émilie Jessiménos avec plusieurs élus dans le département de la Tibonite, visité pendant le week-end qui souhaite passer là par les 365 portes dans la commune Petite Rivière de la Tibonite avec la commune Marchand des Salines. Ensemble, point ça avec plusieurs autres effets essentiels. Le journal là pour jeudi, mardi 8 mai. On a souhaité passer une très bonne journée de mardi, mais surtout, restez branchés à la télévision nationale d'Haïti puisque l'information n'a pas poursuivre sur l'antenne télévision l'État.